On saluera l'initiative du CCP Bien public a répondu présent, les coureurs également. Aux associations sportives, bien entendu, car le sport pour nous. Partez. Voilà, vous avez le droit d'applaudir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est à l'astronome interdisciplinisme. Voilà, c'est parti. Le David Pouganouvelle a fait le court déplacement, notamment le trésorier. Le renouveau en Bretagne. 2. 1. Partez. Et bonne route, puisque la course va être débridée rapidement. On reviendra sur ce matin. Et notamment. Le spécialiste du cyclocross a son avantage hier sur l'épreuve de l'Antique. Nous avions en seconde position le dessin numéro 38. Beaucoup de applaudissements avec l'espoir cycliste Pays de Guichen, l'avion cyclisme Pays de Beau, Idéal Auto, Dinan Saint-Malo, Michel Danjou, grand partenaire de cette édition avec Dany Fleur à Roche-Renan et Saint-Nicolas Duquelem, Kebab d'Or. Votre restauration rapide sur place ou emporter Salon Infinite. Déplacement, je vous en parlais tout à l'heure, course d'observation pour le moment, on les encourage au passage avec toutes les formations présentes ici. On aperçoit Tissariou, on aperçoit également Force qui était donnée au bon niveau de l'organisation avec Aliane Delanoë qui tient bon son classement général avec les deuxièmes. J'ai vu tout le monde était là également dans les premières positions. Et la différence n'a plus se faire lors du premier passage. On a perdu quelques unités, mais. Et vous, madame, monsieur, allez faire la différence et l'explication générale, puisque ce dernier tour, l'explication sera favorable peut-être à votre favori. Nous rejoignent. Philippe, c'est à vous pour l'entame du dernier tour. Merci, Grégory. Peloton compact, peloton multicolore. Voilà, on va les accueillir avec un total d'applaudissement. Allez, le allez, le peloton, bien sûr, qui reste soudé, peut-être pas pour longtemps. On espère bien sûr avoir de réelles informations dans quelques secondes. Le passage des cadettes, c'est imminent. Ce passage pour l'entame du dernier tour. Il va faire demande à la cloche pour l'actionner. De faire manière de permettre au peloton féminin d'avoir cette information pour pouvoir rentrer dans le dernier tour. Est-ce qu'on en a profité durant ce passage? Est-ce que toujours le peloton est compact? On profitera peut-être du retentissement de la cloche pour essayer de partir vers ce dernier tour. L'explication, elle sera donnée dans quelques secondes. Qui sépare notamment Jean-Louis Degnol et Léane de la Deleuze. 23 secondes simplement. Nous sommes prêts. Le public est aux anges. Gardez votre ligne, Grégory, c'est à vous. Avec les derniers mètres pour la victoire du jour, on parlait de Lilian Barret tout à l'heure, on va avoir un de ses coéquipiers pour la victoire du jour, une victoire de qualité pour cette belle victoire, et elle revient bien évidemment à celui qu'on attendait dans ce final. On attendait William Barret, on attendait également Antoine Basset, mais c'est Antoine Basset qui vient chercher ce succès de qualité. On a vu un beau travail intelligent de la formation du BCP Ludéac avec William Barret qui était là aussi dans le final. Gros travail et belle explication favorable. On peut les saluer, les Alphiques, l'arrivée du jour et cette belle victoire. Voilà, le public ne manque pas d'encourager cette belle débauche d'effort qui va s'imposer. Le très bon retour, le coréen en brive de la sport de Quimper. Elle s'impose devant le dessin. Faustine Kroegenok pour la deuxième place. On attend confirmation dans quelques instants de venir sur la ligne. Les cinq premiers, on rappelle les cinq premiers, d'ailleurs on va peut-être avoir leur identité, Philippe, les cinq premiers du peloton cadette et les cinq premiers du peloton mini. Alors on a déjà les trois premiers, on les avait, les trois premiers, et dans chaque peloton on va avoir la confirmation avec les deux suivants pour le. Voilà, merci au minimum les cinq premiers de se présenter au contrôle du développement pour voir.